Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans SSP67 Prime 11. C'est Bertrand Lapioche. Alors, voilà, donc cette semaine, en fait, il n'y a eu qu'une seule quotidienne, désolé. Donc cette quotidienne, il s'est passé plein de trucs, hein. Il s'est passé des pétages de plomb, des moments assez forts, assez émouvants et tout, mais le problème, c'est qu'on n'a pas tourné. Parfois ça arrive, les caméras ne tombent pas, et puis voilà. Donc aujourd'hui, ben, c'est Noël. Voilà. Ben, ce sera, c'est le prime de Noël. Ding Dong Live, ça reprend bientôt. Et donc ce soir, il y aura deux grands. Donc voilà, donc c'est. On va se connecter avec les habitants, et puis voilà. Ah, et personne n'a pu venir, ce qui est normal, c'est Noël, tout le monde fête Noël, sauf moi. Voilà. Donc voilà, donc on se connecte. Ici la voix, à tous les habitants. Ce soir, c'est un prime spécial Noël. Ouais! Allez au jardin. Trop cool. Oh! Oh, il y a des cadeaux. Ah oui, il y a des cadeaux. Mais c'est trop cool ça. Mais allez, on y va. Et moi, vas-y là, c'est trop bien. Putain, ce soir c'est vraiment Noël. Virginie, elle va se casser. On reçoit des cadeaux. Je vais en demi-finale. Putain, mais c'est grave bien. Eh ben. Peut-être que l'un des cadeaux, ce sera qu'on va en finale. Enfin, que genre, il y a la place en finale qui se cache dans l'un des cadeaux. Et que c'est le public qui décide qui ira en finale. Ah ouais, peut-être. Mon Dieu, mais le sapin, il est gigantesque, il est beau. Waouh. Ce prime sera assez court, il fera à peu près la durée d'une quotidienne. Alex, tu peux ouvrir tes cadeaux. Mon Dieu, mais c'est trop bien. Allez, on ouvre nos cadeaux. Oui. Ça va être trop bien, non? Ici, la voix. La voix va vous offrir à tous un cadeau commun. Il s'agit de 1000 euros en plus sur dans votre cagnotte. Ok, merci la voix. Ensuite, la voix d'abord va vous faire le programme de ce soir. Vous allez ouvrir vos cadeaux. Ensuite, la voix va faire une demande à Virginie. Ok. Ensuite, vous aurez une énorme surprise ce soir. Et enfin, on découvrira oui ou non si Virginie part ou pas. Vous savez quoi, on va le découvrir maintenant. Virginie? Ouais? Rends-toi. Bon, allez. Virginie, on te le dit, il y a eu 100% des votes pour que tu reviennes. Eh, mais c'est trop bien! Enfin, je suis trop contente. Vas-y, je suis trop contente. Ouais, donc Virginie, tout le monde voulait que tu reviennes. Du coup, on ouvre nos cadeaux. Oh, j'ai reçu une lettre de mes parents et de ma grand-mère. Moi j'ai reçu une nouvelle robe, trop biello. Oui, une lettre de mes parents et il y a mon doudou. Moi aussi, j'ai eu mon doudou. T'as votre âge, vous avez toujours des doudous là, des peluches. Bonne, d'accord, j'en ai une aussi. Oh putain, quand j'ai eu un sac à mine. Mais grave badass ce sac. Vas-y, je suis contente, moi, hein. Vas-y. Moi aussi, j'ai eu des cadeaux. Enfin, c'est trop bien. Il y a mon frère qui m'a écrit. Oui, c'est un super Noël.
Et en plus, ce soir, on va manger et tout. Oh, regardez, il y a d'autres cadeaux ici. Il y a des lettres. Ah, c'est des lettres de nos proches. Ça, Virginie, c'est pour toi. Merci. C'est une lettre de mon petit frère. Il pense beaucoup à toi, ton petit frère. Hein? Ouais. C'est jamais tes parents. Tu nous as pas jamais. Tu nous parles jamais de tes parents. Enfin, sauf des souvenirs d'enfance, mais c'est tout. Adrien, ça, c'est pour toi. Hein? Merci. Stéphanie, c'est pour toi. Merci. Putain, je suis trop contente. Agatha. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, ça, c'est pour moi. Anneka et Alexa. Oh là là! On a du papier, des crayons. On a des stylos. Vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'on a comme chance. On a des stylos. On va pouvoir écrire. Nous-mêmes écrire, mon Dieu. On a déjà eu des stylos la dernière fois, mais là, on nous les offre. Très clairement. On va pouvoir dessiner pendant tout le reste de l'aventure. Oui. Tadadou. Trop bien. Ah oh, oui, on a aussi les cadeaux qu'on s'est offerts mutuellement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je vais aller chercher l'eau. Okay, ça c'est à l'oratoire dit. Moi, c'est Alex, j'ai fait un cadeau pour Alex. Alex m'a offert un cadeau. Moi, j'ai fait un. Attends, attends. Moi, j'ai fait un cadeau pour. En fait, qui m'a fait un cadeau? Personne ne m'a fait un cadeau, d'accord. Si j'ai pensé à toi, Stéphanie, je t'ai fait un cadeau. D'accord, merci. Je sens le faux cul, mais bon, c'est pas grave. Ouais, Stéphanie. Toi qui nous as emmerdé pendant toute l'aventure. Toi qui nous as fait bien chier. Toi qui nous as fait chier pendant toute l'aventure. Même si on doit bien avouer, je te déteste, on se déteste et tu nous détestes. Sans toi, l'aventure ne serait pas la même. Merci de mettre de l'ambiance. Bise. Oh, merci Mona, j'ai presque envie de te faire un câlin. Ah. Et voilà, et du coup c'est juste une lettre. Non, il n'y avait pas droit à autre chose. Sinon, je t'aurais offert un robot qui met des claques. Ah, pour que je mette des claques aux gens. Non, pour que je puisse te mettre une claque avec un robot. Et du coup, moi, j'ai un cadeau. Merci. Ah, c'est une petite lettre. Merci. Mouah. Oh, il y a un bijou avec, il est trop beau. Oui, Akata m'a conseillé. Non, moi, j'ai rien fait du tout. Merci, Akata. Et merci. D'accord, moi, je t'ai fait un cadeau qui est à toi. Moi, un cadeau à toi. Moi, un cadeau à moi, à toi. En temps aussi, je t'ai fait un cadeau. Ah, moi aussi, j'ai fait des cadeaux pour tout le monde, là. Je fais des cadeaux pour tout le monde, là. Et mais vraiment, c'est un super prime. C'est un prime, on se prend pas la tête. C'est magique et tout. On a des lettres de nos familles. C'est trop mignon. Ouais. Ici, la voix. À tous les habitants. Ce prime aura la durée d'une quotidienne, c'est-à-dire 15-20 minutes. La voix vous a laissé. Attendez, l'eau. Je vais distribuer mes lettres. Il y a une papillote avec lui. Merci Anka. Bon, je continue puisque Anka m'a coupé dans mon élan. Mais c'est vous là qui coupez les gens dans les élans, le vous. Donc, aujourd'hui, un habitant va réintégrer la maison. Quoi? Le public a voté. Et donc, parmi les habitants, les 11 habitants éliminés lors de l'aventure, un réintégrera l'aventure. Dans quelques minutes. Vous pouvez donc regarder par l'écran. La Joconde va se transformer en écran. Ah ouais. Qui re-rentrera du sas? 11 éliminés. Il y en a 10. Ici la voix, à vous 10. Bon, oui, Flo n'a pas pu venir, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas lui qui a été sélectionné par le public.
Alors, Maria, tu as fait un court passage dans l'aventure, un passage de 2 semaines. On peut dire que tu n'as pas été une personne très importante dans l'aventure, tu étais assez discrète. Mais peut-être que le public a décidé de te donner une deuxième chance et a décidé de te voir rentrer dans la maison car il a décidé que, après tout, tu étais une candidate qui méritait d'être dans l'aventure et de réintégrer l'aventure pour je sais pas quelle raison. Chiara, tu as fait parler de toi pendant 3 semaines. Tu es peut-être partie un peu trop tôt, tu n'as pas montré assez de choses. Et ça, le public l'a bien compris. Mais ce soir, le public t'a peut-être donné une seconde chance. Louis, le petit ami de Chiara. On est plus ensemble, on est plus ensemble. J'ai décidé de la quitter parce que je la trouvais pas assez belle. Ferme ta gueule, toi. Bien, alors vous avez fait un court passage dans l'aventure, vous n'avez pas été très apprécié. Mais peut-être que le public a aimé le fait que vous foutiez la merde. Elio, votre départ a été déchirant, que ce soit pour vous, pour les habitants, pour Alex ou pour le public. Ce soir, peut-être que le public a décidé que vous méritiez de revenir pour Alex, pour vous, et de donner une revanche. Car, j'ai pas les mots. Vous, Megan, vous foutiez la merde. Et le public aime les fouteurs de merde. Alors, peut-être que vous pourrez vous revenir. Vous, Anthony, vous étiez un énorme fouteur de merde et le public vous appréciait pour ça. Donc peut-être que vous allez revenir plus tard. Vous, Edmondine, cette année, vous avez été un peu discrète. Mais le public vous aime bien. Vous êtes belle, élégante, gentille, gracieuse. Vous avez toutes les qualités pour participer, pour aller en finale. Et vous êtes une vraie candidate humaine et généreuse. Vous êtes quelqu'un d'humaine et les gens vous aiment pour ça. Mais le public a-t-il décidé que vous êtes méritante de rester, de revenir? Vous, Jules, cette année vous êtes vraiment un vrai charreau. Et on peut dire que ça n'a pas vraiment aidé à votre image ni à votre popularité dans l'aventure. Mais est-ce que vous allez revenir? Car après tout, tout le monde mérite une seconde chance, non? Vous, Claudia. Vous êtes Claudia Resque. Il n'y a aucun mot. Vous êtes quelqu'un de belle, d'élégante. Vous êtes humaine, vous clashez et on aime votre caractère. Le public l'aime-t-il aussi? Et vous, Chaja, vous êtes rigolo et pourtant, vous avez vu parler de vous, mais pourtant, le public a eu du mal avec vos comportements. Le public vous gardera-t-il? Bien, les deux premiers qui déjà, ils dégagent, ils ont eu 0%, c'est Flo qui n'est pas là, donc c'est parfait, et Maria. D'accord, Maria, tu n'intègres pas l'aventure, tu ne réintégreras pas l'aventure ce soir, tu peux donc partir. Ensuite, ces quatre personnes qui ont eu la. De trois personnes, pardon, qui ont eu 4,2%. 4,2%. Il y a Jules avec 4,2%. Chiara. Et Louis. Jules, Chiara, Louis avec 4,2%, vous pouvez partir. Ok, d'accord, bisous. Maintenant, avec 8,3%, la personne qui n'intègre pas l'aventure, c'est. Mégane, je suis désolée, tu ne réintégreras pas l'aventure ce soir. C'est pas grave. Putain, fais chier là, ce public de merde. Vous n'êtes donc à présent plus que 5. 4 personnes qui vont partir, une personne qui va revenir. 2 personnes ont eu 12,5%. 2 personnes ont eu 16,7%. Et une personne a eu 20,8%. La première personne qui ne réintégrera pas l'aventure avec 12,5%, c'est. Oh mon Dieu, mais il y a toujours Jaja, allez Jaja!
Allez, Elio, j'ai confiance en toi. Oui, allez, Lo, Elio, Lo, oui. Putain, oui, Aja, faut qu'il revienne, Aja. Ouais, Aja. Ou Elio. Ou Claudia, elle aurait été sympa. Elle nous dit. Ouais. Eh bien, Anthony, je suis désolé, tu réintégreras pas l'aventure ce soir. C'est pas grave, merci quand même. Déjà, là, je suis choqué, je finis plus haut. Les gens, ils préfèrent me voir revenir moi que Jules qui était resté contre moi. C'est sympa, vous auriez pu quand même me garder quand j'étais nominé face à lui, mais enfin bref. Voilà. Vous n'êtes plus que quatre et la deuxième personne qui quitte l'aventure. Et qui ne réintégrera pas la maison avec 12,5%, c'est. Elio, je suis désolé. Tu peux donc quitter l'aventure. Tu ne réintégreras pas la maison. D'accord, c'est pas grave. Bisous, Alexane, Christelle, je vous aime. Bien, vous n'êtes donc plus que trois. Mais non, mais vas-y, l'homme, ça fait chier, Elio, il revient faux. Ça va être Claudia là qui va revenir. Mais oui, ça va être Claudia. Ah, mais il y a toujours Jaja. On peut espérer, c'est Jaja qui va revenir. Oh putain, non, pas Tiki Takola. Non, 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 pas ça. C'est pire que tout. C'est pas Noël, ça. Merde. Mais de toute façon, l'eau, espérez pas trop pour Jaja. Je veux pas vous détruire le moral, mais espérez pas trop pour lui. Là. Parce que là, dans les dernières télé-réalités, dans cette dernière télé-réalité, l'eau, il est peut-être pas forcément aimé, l'eau. Et aussi, bon, ben, Claudia, elle a eu beaucoup plus de votes que lui là, pour la précédente nomination. Lo et Claudia, elle est vraiment adorée. Donc, voilà, si Claudia, elle veut revenir, là, ça fait chier, Lo. Mais on peut toujours espérer pour Edmond Odine, Lo. Ouais. Eh bien, vous n'êtes plus que trois. Deux personnes qui ont eu 16,7%. Et une personne qui a eu 20,8%. La première personne qui ne revient pas dans l'aventure et qui a eu 16,7%, c'est. Eh bien, avec 16,7%, Edmondine, tu ne reviens pas dans la maison, désolé. C'est pas grave, merci beaucoup quand même. Je suis très heureuse, vraiment très touchée. Bisous, merci. Bien, Claudia, Jaja, tout se joue entre vous deux. Oh mon Dieu, il y en a un de deux qui va rentrer. Yes. La personne qui retourne dans la maison des secrets avec 20,8%, c'est Jaja, tu retournes dans la maison des secrets. Merci beaucoup. Merci beaucoup le public. Merci. Bisous, Claudia. Maman. Allez, bisous. Je suis contente pour toi. Ah! Dis-moi qui revient! Attends, j'ai bien entendu. Non, c'est Jaja qui revient. Non, Jaja, salut! Jaja! 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 Trop bien! Je suis trop contente. Enfin, non, je suis pas contente, mais je suis trop contente que ce soit ça plutôt que Claudia. Je l'aimais bien, mais vraiment, elle faisait trop la faux la faux avec nous. Trop bien, Jaja! Jaja! Jaja, trop bien! Ouais, c'est Jaja. Putain, non, j'aurais préféré que ce soit Claudia. Ouais, de Mandine, Ami, Anthony, Willio, non, pas Elio. Bref, ouais, de Mandine, Claudia. Qui vous voulez, non, mais pas lui, merde. Putain. Trop bien, l'eau. Ici la voix. Pour terminer le prime, Virginie, la voix a un dilemme à te proposer. Acceptes-tu de révéler ton secret aux autres habitants? Mais dans ces cas-là, tu devras, eh bien, diviser ta cagnotte par deux. Donc ton secret sera révélé, on ne pourra plus te buzzer, tu ne pourras plus perdre ta cagnotte, mais du coup, ta cagnotte sera divisée par deux et tu devras donner le reste à Kata. Oh ben oui, l'eau, j'accepte l'eau. Bah ouais, la voix, j'accepte direct, comme ça mon secret il est révélé et à Kata, elle a de l'argent. Merci beaucoup, ma chérie, c'est trop gentil.
Bien. Virginie, tu donnes donc la moitié de ta cagnotte à Akata. Je ne sais plus combien t'avais, mais c'est pas grave. Et donc, tu peux révéler ton secret aux habitants. Mon secret est que j'ai été majeure à l'âge de 14 ans. Parce qu'en fait, je suis devenue orpheline à l'âge de 14 ans. Et du coup, avec mon frère, j'ai dû m'occuper de lui toute seule, payer ses études. Donc, je suis allée habiter dans un petit village en Allemagne, devenir boulangère, etc., travailler et tout. Après, ils nous ont fait quand même laisser leur héritage. Mais voilà, et du coup, je suis devenue majeure parce que on m'a jugé, en fait, j'ai été émancipée du coup à 14 ans, après le décès de mes parents, parce que j'avais pas envie d'aller en famille d'accueil et mon frère n'en pleut. Donc, voilà, je suis devenue majeure à 14 ans. Même si. Techniquement, ce n'est pas possible. J'ai quand même passé mon permis à 18 ans, etc. Mais je me suis comportée comme une majeure à partir de 14 ans, habitée dans mon propre appartement. J'ai plus de tuteur, quoi. Mon Dieu, c'est chaud. Ah ouais. Oh non, Virginie, j'ai envie de te faire un câlin, même si tu me voles la vedette là actuellement. Virginie. Non, c'est trop touchant. Oh, Virginie. Allez, tous un câlin, Virginie. Bah, elle est câlin aussi, même si je te déteste, t'en toucher. Il est assez secrant. Ton secret est assez touchant. Bien, voilà, je suis désolée. Le prime a été très court, mais il est terminé. En même temps, bon, il s'est rien passé d'intéressant. Hein. Ils ont ouvert leur cadeau. Un candidat est revenu. Ils ont. Voilà, c'est tout. Donc c'est Jaja qui est revenu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus ou j'espère que vous êtes heureux. Je vous laisse et bisous. La semaine prochaine, ce sera Natacha comme d'habitude. Là, c'est parce qu'elle fête Noël. Bisous.